Bonjour à tous, je vais vous présenter un nouvel album que j'ai fait. Alors, il s'agit du même album que celui, l'album Adam pour lequel j'ai fait le tuto. Voilà, j'ai juste rajouté une page qui est la même page que l'une des quatre qu'il y avait déjà dans l'album. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en fin de vidéo le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Voilà, bon visionnage! Alors, pour le matériel que j'ai utilisé, alors la collection avec les petits signes, c'est une collection en format 15 par 15 que j'ai trouvée sur AliExpress. J'avais 24 feuilles. J'ai complété cette collection de papier par des feuilles de ce bloc de chez Action. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-ci. Donc, qui allait très bien avec. Et pour les papiers unis à l'intérieur, donc qui servent dans les emplacements photo, là, le gris et le beige. Donc, c'est de la collection Pollen de Clairefontaine. Le beige, c'est le opaline. Et le gris, c'est le gris acier. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, je ne me rappelle plus où j'ai acheté ce sentiment. J'en ai plusieurs dans ma scrap room, mais je ne me rappelle plus de quelle boutique il vient. Si j'arrive à retrouver, je vous le mettrai dans le lien sous la vidéo. Et ça, c'est des petites, pareil, c'est une petite déco en bois. Parfois, chez Carrefour, ils font des petites caisses avec des petits casiers et plein de petites décos. Et elle vient c'est une petite déco qui vient de chez Carrefour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu et puis je vous dis à bientôt.